Donc, le titre de la communication, la philosophie kantienne est le concept de Jinkaku, statut de l'homme, selon la quête du bien de Nishida Kitaro. Donc, le titre a été légèrement modifié selon le titre dans le résumé. Alors, la quête du bien... Alors, j'explique que ce document, il n'y a que... malheureusement, je suis désolée, je n'ai pas pu avoir le temps d'ajouter la traduction en français qui est dans mon communication, mais vous avez la citation, certains nombres de citations dans ma communication et les mots-clés que j'ai reproduits en japonais dans ce document. Donc, si ça vous intéresse... les expressions dans le texte de Nishida. La quête du bien, Zen no Kenkyu de Nishida Kitaro, est composée de 4 chapitres qui ont été écrits entre 1904 et 1909. L'objectif de cette communication consiste à expliquer le sens du concept Jinkaku, terme de traduction en japonais du mot personne, en relation avec l'individualité et l'expérience pure Junsui Keiken dans cette œuvre. On peut rendre le mot Jinkaku en japonais par le statut de l'homme, parce que Jin signifie l'homme et Kaku signifie statut, grade ou bien même classe. Et Jinkaku, c'est donc... En japonais, pour l'oreille japonaise, ça ne sonne pas tellement en tant qu'un seul mot personne. En fait, en langue européenne, c'est plutôt un seul mot personne. Et donc, d'origine, c'était un mot de traduction en japonais, mais une fois traduit, ce mot résonne kaku de jin, c'est-à-dire que le statut de l'homme, le statut humain, en fait, par rapport aux autres êtres. Et, en japonais, ce terme a été introduit avec les personnalismes britanniques et allemands qui prennent leur source dans la philosophie kantienne. Dans cet exposé, nous allons nous intéresser d'abord à l'introduction de la philosophie kantienne au Japon, ensuite à la relation entre Nishida et la philosophie éthique kantienne, et enfin au sens du terme Jinkaku dans la quête du bien. L'introduction de la philosophie kantienne au Japon remonte aux années 1870, mais dans l'enseignement de philosophie, l'influence de l'idéalisme allemand sera particulièrement marquée à partir de 1887 par l'arrivée de Ludwig Bösse, docteur de l'Université de Berlin, à l'Université de Tokyo. Il a assuré jusqu'en 1892 le cours en anglais sur l'idéalisme allemand, s'inspirant notamment de la philosophie de Rudolf Hermann Lotze. Après son départ, c'est Raphaël von Keble, d'origine russe et germanophone, docteur de l'université d'Iéna, qui lui a succédé. Il a enseigné en anglais entre 1893 et 1914, donc pendant 21 ans, les philosophies grecques, médiévales et allemandes et l'esthétique. Il a insisté auprès de ses étudiants sur l'importance de l'apprentissage des langues anciennes grecques et latines. Il a enthousiasmé ses élèves et son influence était considérable sur les futurs intellectuels japonais. En plus de ses professeurs, Nakajima Rikizō, après avoir obtenu le titre de docteur en philosophie à l'université Yale au bout de 10 ans de séjour aux États-Unis, a débuté en 1890 son enseignement en philosophie à l'Université de Tokyo et y a introduit la philosophie morale de Thomas Hill Green, un philosophe britannique qui a élaboré sa pensée à partir des philosophies kantiennes et hegeliennes. On dit d'ailleurs que c'est Nakajima qui a vulgarisé le mot Jinkaku, vulgarisé au milieu des intellectuels quand même, le mot Jinkaku en tant que terme de traduction peu personne. Dans ce personne qui connote fortement, qui s'inscrit fortement dans le christianisme, le concept de personne dans le christianisme. Dans ce contexte, la première traduction japonaise des textes de Kant, celle des prolégomènes, peut toute métaphysique future qui aura le droit de se présenter comme science, verra le jour en 1914.
Une deuxième traduction, celle de la critique de la raison pratique, sera publiée en 1918. En année suivante, une troisième traduction, celle des fondements de la métaphysique des mœurs, sera publiée. La critique de la raison pure en japonais verra le jour en deux tomes, dont le premier paraîtra en 1921, le deuxième en 1931. La critique de la faculté de juger sera traduite en 1926. La publication de la première collection des textes majeurs de Kant, traduits en japonais en 18 volumes et incluant ses traductions, s'achèvera en 1939. Alors, la philosophie kantienne et Nishida avant la rédaction des textes de Zen no Kenkyu. Donc, à partir de cette section, vous avez des mots-clés en japonais dans votre document. En 1891, Nishida commence ses études à Tokyo. Il suit, entre autres, les cours de Busse Nakajima. L'année suivante, après un an d'études universitaires, il écrit un texte intitulé « Kanto Rinrigaku », donc « Kanto » était écrit en kanji à l'époque, « L'éthique de Kant », peut obtenir la validation d'une unité d'études. C'est le résumé en japonais des fondements de la métaphysique des mœurs et de la critique de la raison pratique. Dans le premier chapitre de ce texte, Nishida écrit en anglais les concepts clés, mais dans les chapitres suivants, il les écrit en allemand. L'année suivante, en 1893, Nishida commence à suivre le cours de Köber, qui a remplacé donc Busse. Il termine ses études de licence en 1894. Son mémoire d'études concerne la critique de la causalité de Hume. Pendant l'année suivante, il enseigne dans un collège proche de Kanazawa et publie dans une revue « Les grandes lignes de la philosophie morale » de Thomas Hill Green. Il y résume les « Prolegomena to Ethics » de Thomas Green et y explique également la relation entre l'homme et le grand esprit de l'univers « Uchu Dai Seishin » ou bien « Dai Kaku Ishiki ». Daikakushiki, voilà. La volonté humaine, donc il y expose la relation entre l'homme et le grand esprit de l'univers, la volonté humaine, le bien, le principe divin et la personne que Nishida traduit dans ce texte par le mot de Kojin en japonais. En 1896, il obtient un poste au lycée de Kanazawa et il y commence son enseignement de l'allemand. Il y a des documents là-bas. On peut laisser. Et en 1896, il obtient donc un poste au lycée de Kanazawa et il y commence son enseignement de l'allemand. Il publiera quelques années plus tard, en 1901, L'éthique de Kant, Kanto Rinrigaku Shugi, je n'ai pas rendu le mot Shugi dans ma traduction en français, l'éthique de Kant. Il faudrait noter en passant que Nishida commence à partir de 1897 à s'adonner sérieusement à la méditation assise dans un temple de bouddhisme zen à Kanazawa, où il suit l'enseignement d'un moine. Parallèlement à la pratique de la méditation, il lit non seulement des textes de philosophie allemande et de littérature allemande et anglaise, mais aussi quelques textes fondamentaux du bouddhisme zen. C'est dans ce contexte qu'il a écrit entre 1904 et 1909 les textes qui seront recueillis plus tard sur le titre de la quête du bien. Et je me permets de préciser qu'il n'y a pas de traduction intégrale en français de ce livre. Il y a une traduction partielle, puis une autre traduction encore sur les autres sections. Jinkaku dans la quête du bien. La quête du bien se compose donc de quatre chapitres.
Nishida a d'abord écrit les deuxième et troisième chapitres, intitulés respectivement Jitsuzai et le réel, et Zen, le bien. Puis le premier chapitre, Junsui Keiken, l'expérience pure. Et enfin le quatrième chapitre, Shukyo, religion. Nishida emploie le mot Jinkaku dans les troisième et quatrième chapitres, mais ne l'utilise pas dans les premiers et deuxièmes chapitres. Nous allons néanmoins examiner chaque chapitre suivant l'ordre dans lequel ils ont été écrits. Dans le deuxième chapitre, Jitsuzai, et que je traduis par le mot du réel, au sens du caractère effectif positif de l'être, et je ne traduirai pas par le mot la réalité. Et Nishida définit ce concept le fait authentique de l'expérience pure. Donc vous avez dans le document l'expression en japonais. C'est le fait authentique de l'expérience pure. C'est le jinkaku, la définition du mot jinkaku. Shinni jutsu keiken no jijitsu. Qui est une activité pure et autonome. Dokuritsu jizen no jun katsudo est encore vierge de tout acte de pensée. C'est le niveau où il n'y a pas encore de différence entre le sujet connaissant de l'objet connu, ni entre l'intellect et les émotions et la volonté. Quelques pages après, il explique qu'à l'intérieur de nous, qui sommes tous tout petits, une force infinie réside, une force unificatrice de l'infini du réel, et qu'elle nous permet de chercher la vérité de l'univers. Ça, c'est je n'ai pas cité. Nishida emploie le mot de Dieu pour désigner le fondement du réel qui unifie tout univers. Selon Nishida, Dieu n'est pas transcendant par rapport au réel, mais il est là immédiatement au fond du réel, Jitsuzai. Nishida l'appelle également Yuiitsu Jitsuzai, le réel unique, ou l'être réel unique, et il explique que d'une part, ce réel unique se différencie à l'infini, mais d'autre part, il s'unifie à l'infini. Il cite comme illustration dans ce passage l'Atman qui s'unit avec le Brahman, une thèse bien connue des Upanishads. Mais il cite également Jacob Böhm et Nicolas de Cuse. Nishida souligne le rôle d'unificateur de l'univers dans son exposé sur Dieu qui est comparé au Brahman des Upanishads, entre autres. Nous verrons ci-dessus que ce rôle d'unificateur est essentiel quand il expliquera le concept de Jinkaku, personne statue de l'homme. C'est dans le chapitre suivant, le troisième, intitulé « Le bien, Zen », qu'il définit le concept de bien et développe sa réflexion sur le concept de Jinkaku. Il précise d'abord que la question de l'acte bon et l'acte mauvais, en japonais, bon et bien, ce contexte, c'est un seul mot, zen, donc yoi akto, enfin yoi koi, zen dearu koi, quelque chose comme ça. L'acte bon et l'acte mauvais est d'une importance primordiale. Après avoir cité plusieurs doctrines éthiques, il souligne que le bien doit être expliqué à partir de l'exigence intérieure de notre conscience. Il écrit, donc c'est la citation de la page 143, au fond des activités de notre volonté, et notre, c'est moi-même qui ajoute que ça soit plus clair, il y a un besoin a priori, germe brut de la conscience, Ishiki no Soin. Et ceci apparaît dans la conscience en tant que l'idée de finalité. Et c'est elle qui donne une unité à la conscience. Lorsque cette unité s'est réalisée, c'est-à-dire qu'un idéal s'est réalisé, la satisfaction nous envahit. Le bien, c'est notre besoin intérieur, à savoir la réalisation de l'idéal, autrement dit, l'aboutissement du développement de la volonté. La doctrine éthique qui se fonde sur l'idéal originaire que je viens d'exposer, on l'intitule l'énergétisme. Selon Nishida, Selon Nishida, ce sont Platon et Aristote qui ont développé cette doctrine et il cite comme exemple l'intellecti d'Aristote.
Il continue son explication en évoquant l'expression bien connue chez les Japonais du caractère inné d'un homme offert par le ciel, Tensho Jinen, de la pensée taoïste, ou bien de néo-confucianisme qui suivait quand même cette lignée de la pensée, et explique que le bien consiste pour l'homme à laisser s'épanouir ce caractère inné. Quand un homme réussit à laisser s'épanouir ce don du ciel, le bien et le beau s'unissent. Il donne comme exemple le fait qu'une fleur est la plus belle quand elle peut laisser apparaître au degré maximum la nature qui lui est propre. Après ce passage, il expose sa pensée sur le bien et la raison. Selon lui, l'homme a sa vie dans la dimension de l'idée. 人間は観念の上において生命を有している。Dans cette dimension, les actes humains sont réglés par la raison. Le bien de l'homme consiste à suivre la raison. Le principe, c'est-à-dire qu'il utilise un autre mot, lit de raison, enfin lycée, mais ce mot lit et s'inscrit dans le registre du vocable du néo-confucianisme. Le riz, habituellement on le traduit par le mot, le principe, qui est donc, et c'était un des sujets de discussion des savants à la fin de l'époque d'Edo au Japon, qu'on trouve ce mot par-ci par-là dans les textes de Nishida. Se régler sur la raison veut dire se régler selon la force unificatrice qui demeure au fond de notre conscience. Notre conscience, c'est moi qui ajoute dans la traduction. Et il utilise le mot jinkaku pour la première fois dans ce texte. Donc c'est la citation, la page 151. Si on nomme Jinkaku, cette force unificatrice en chaque personne, le bien consiste à entretenir et développer cette force qu'est Jinkaku, donc statut de l'homme. Cependant, souligne que le Jinkaku ne doit pas être motivé par les nécessités personnelles et subjectives, mais au contraire, le véritable Jinkaku, Shin no Jinkaku, n'apparaît que dans l'oubli du soi, dans l'extinction des désirs subjectifs. Nous pouvons certainement retrouver dans cette expression ce qui est visé par la méditation bouddhique ou bien par la vertu bouddhique. Nishida ajoute ensuite une remarque sur la raison pure de Kant. Le bouddhisme du soi n'est pas du tout comparable à la raison pure et universelle de Kant puisque celle-ci se distingue du niveau empirique. Ensuite, Nishida définit le concept de Jinkaku. Notre Jinkaku, c'est la citation de la page 152, notre Jinkaku, statut de l'homme, c'est une mise en mouvement directe de la puissance unificatrice de l'univers. C'est une apparition sous une forme singulière, dans des circonstances données, de l'unique réel, Yuiz Jizuzai, qui abolit la différence entre la conscience et la chose. Fin de citation. Et il ajoute une autre citation, enfin une autre. Il cite une célèbre phrase de la critique de la raison pratique de Kant. Deux choses remplissent le cœur d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelle et toujours croissante. Le ciel étoilé au-dessus de nous, de moi, et la loi morale en moi. Fin de citation. À propos de cette citation, nous pouvons dire que Nishida ne partage pas la thèse de Kant sur la question de la pureté de la raison pure, qui est pure parce qu'elle n'est pas de l'ordre empirique, mais il montre cependant son affinité avec l'intériorité de la loi morale dans notre conscience. Il écrit ensuite que, c'est la citation 153, vous avez la page, oui, c'est bon, oui. Donc, de la personne, à propos de, pardon, je cite des phrases, pardon, à propos de, parce que, 53, qui, sur cette notion de la, il écrit ensuite que la personne, comme fin en soi, mokute, qui sont nos mono, indite,
in itself dans son texte original en anglais. Il écrit ensuite que la personne comme fin en soi de Kant est largement connue, mais il se demande ce que serait un acte qui s'appuierait sur cette notion de la personne. Autrement dit, et quel acte peut être un acte bon ? Pour répondre à cette question, nous allons nous intéresser à la définition de individu Kojin par Nishida. Selon lui, l'individualité d'un homme entre en action. Il utilise le mot « s'animer » ou bien « s'activer » comme si l'individualité était en état de dormant, enfin, avant la naissance d'un individu. C'était tellement curieux pour moi que je souligne cette expression. L'individualité d'un homme entre en action dès la naissance de cet homme et se développe à travers ses diverses expériences et situations. Mais c'est une manifestation de la force unificatrice du réel, donc Jisuzai. Et l'homme doit viser à la réalisation de son individualité, et cette réalisation sera le bien le plus immédiat pour lui. Et plus son jinkaku, son statut de l'homme, gagne en grandeur, plus sa quête devient sociale en suivant les étapes. D'abord de la famille, ensuite celle d'être en tant que membre de l'État, donc Kokka, et enfin celle d'être en tant que membre de l'union de toutes les sociétés humaines, Jinruiteki Shakai no Danketsu. Mais c'est un idéal que l'on trouve dans le christianisme de... Mais c'est moi qui ajoute, en fait. L'union de toutes les sociétés humaines, idéal que l'on trouve dans le christianisme de Saint Paul chez certains stoïciens. Ça, c'est une expression de Nishida que je résume. Oui. Et cependant, un véritable cosmopolitisme, Shinsei no Sekai Shugi, ne signifie pas la disparition des États. Un État a sa conscience sociale et il est un jinkaku. Si chaque État réalise son caractère propre, cela contribuera à l'histoire de l'humanité. À la fin de ce chapitre, il le déclare, c'est la définition donc, du terme du bien, en fait. C'est la page 163. Enfin, le bien, c'est la réalisation du statut de l'homme, jinkaku. Si on l'observe à partir de son intérieur, c'est la satisfaction de ses exigences sincères, à savoir l'unification de la conscience, ou bien de sa conscience, deux possibilités de traduction ici. Puis la réalisation doit atteindre à son ultime dimension où disparaissent le moi et l'autre, le sujet et son objet. Si on l'observe comme un fait qui se manifeste à l'extérieur de lui, le déploiement de l'individualité est à sa dimension la plus petite et le déploiement de l'individualité à partir de la dimension la plus petite, la réalisation atteint à son niveau le plus élevé quand elle parvient à la dimension du développement unifié de l'humanité. Ça, c'est donc la citation de 173. Jinrui ippan no toitsu teki toitsu ni itatte sono chōten ni tatsuru no deru. Nous allons maintenant passer au premier chapitre intitulé donc X, l'expérience pure. Dans ce chapitre, Nishida n'utilise pas le mot jinkaku. Il entreprend de définir l'expérience pure, qui est le degré originaire de toute expérience, donc brute et direct, sans aucun artifice provenant de l'acte de réflexion. Il explique que le fait de l'expérience pure, c'est la réalisation de l'universel par lui-même. Et nous y lisons cette célèbre phrase, c'est la citation de la page 28 que je n'ai pas... Si, je n'ai pas mis le numéro de page. C'est la citation suivante. Junsui Keiken wa. Alors, l'expérience pure peut transcender l'individu. Cela semblait très étrange, mais l'expérience pure connaît le temps, l'espace et l'individu. Elle est par conséquent dépasse le temps, l'espace et l'individu. Ce n'est pas parce qu'il y a un individu que l'expérience est là, mais c'est parce que l'expérience est là qu'il y a un individu.
C'est une phrase tellement connue chez les chercheurs de Nishida au Japon. Comme nous ne trouvons pas d'exposé sur le Jinkaku dans ce chapitre, nous allons examiner le quatrième et dernier chapitre intitulé « Religion ». Ce chapitre est important pour mieux comprendre le concept de Jinkaku. Nishida l'explique dans le concept de la relation de l'homme avec une autre personne et ensuite avec Dieu. Alors, je cite la page 176 que je n'ai pas produite. Je résume en fait ce passage. Après avoir exposé deux doctrines sur la relation entre l'homme et Dieu, à savoir Dieu transcendant en dehors de l'univers et Dieu immanent dans l'univers, il explique que Dieu est la force unificatrice interne de tout l'univers, que le ciel et la terre se positionnent selon lui, et que tous les êtres naissent et se développent indépendants de lui. On peut expliquer le respect du soi et l'amour du soi, jike jiai, le respect d'autrui et l'amour d'autrui par le fond commun et immanent à tous, qui est Dieu. L'amour, c'est l'union de deux jinkaku. C'est important, jinkaku est lié quand même directement à la notion de l'amour, mais la connotation plus ou moins chrétienne. Alors, sur la relation d'un homme avec Dieu, il écrit, donc c'est la page 182. Notre conscience est une partie de la conscience. Alors, notre est bien écrit dans le texte original. Notre conscience est une partie de la conscience de Dieu et notre force de unification prend sa source en celle de Dieu. Si on nomme cette force d'unification Jinkaku, il faut dire que Dieu est un grand Jinkaku qui demeure au fond de tout l'univers. Dai Jinkaku en japonais. Et quelques pages plus tard, il ajoute l'explication suivante. Au fond de, donc c'est la dernière station, au fond de notre conscience, il y a toujours l'expérience pure, unificatrice. Nous ne pourrons pas nous situer en dehors de cette unification. On peut considérer que Dieu est l'unificateur de l'expérience pure qui comprend et unifie Hokatsuru, univers. Hokatsu, il y a deux notions, donc unifier, c'est un peu pas satisfaisante, mais ho, c'est envelopper, mais katsu, c'est saisir. Donc, bon. Alors, nous comprenons clairement dans cette explication que le concept de Jinkaku nishidien est associé à Dieu au sens plutôt chrétien, peut-être, du terme, mais on ne peut pas le dire quand même très vite comme cela peut-être. Parce que c'est certainement dans la perspective nishidienne, ce qui veut dire qu'il est assimilé à l'expérience pure qui agit au fond de nous et de tout l'univers. Et moi, je me demande, il faudrait aussi réfléchir sur certaines d'autres sources, la perspective brahmanique, bien la perspective hegelienne, bien sûr, qui était très importante sur Nishida. Pour terminer, nous allons situer la thématique nishidienne du Jinkaku en relation avec la philosophie de Kant. Premièrement, le mot « pur » n'a pas du tout le même sens. Chez Kant, dans l'expression « la raison pure », la pureté signifie « en dehors de la dimension empirique », alors que chez Nishida, dans l'expression « pure », la pureté signifie le niveau originaire et brut de l'expérience, sans trace de l'acte humain de réflexion. Nishida considère que l'acte de réflexion tel qu'est expliqué par d'autres philosophes occidentaux de ses contemporains se fonde sur la différence entre sujet connaissant et objet connu. Donc pour lui, l'expérience pure précède l'acte de réflexion. Deuxièmement, le paysage philosophique est considérablement différent. Kant se bat contre l'obscurantisme peut apporter plus d'aspects scientifiques, plus de lumière à la philosophie de son époque, par sa thèse de la raison pure, alors que Nishida veut tout d'abord expliquer la valeur originaire, donc primordiale, de l'expérience pure qui est la base de la différenciation de toutes les activités humaines et non humaines. Il est impossible de nier l'influence de sa méditation bouddhique, certainement, sur sa conception de l'expérience pure.
Troisièmement, au sujet de la hiérarchisation de la philosophie de la connaissance et de la philosophie de la religion, Kant a d'abord écrit la critique de la raison pure. Ensuite, il a élaboré la critique de la raison pratique à partir de sa thèse sur la raison pure. Alors que Nishida a d'abord écrit ses réflexions sur l'éthique, pour plusieurs raisons, l'éthique était l'une des matières de son enseignement déjà au collège, au lycée, et les valeurs morales étaient l'un des principaux sujets débattus au milieu intellectuel de son époque au Japon à cause de la montée du christianisme, entre autres. Ensuite, il s'est intéressé aux théories de la connaissance. Cependant, pour Nishida, la dimension religieuse est plus fondamentale, tout au moins à cette période, que la dimension de la philosophie de la connaissance, parce que la connaissance sur l'homme, de l'autre ordinaire, traite l'homme en tant qu'objet de connaissance, donc un homme dans ce contexte non humain. Alors que la connaissance de l'autre religieux ou spirituel considère l'objet de connaissance, donc l'homme, en tant que statut humain, personne ou bien jinkaku. Et la quête du bien s'achève par le texte intitulé « La connaissance et l'amour » qui, où il explique cette hiérarchisation. Quatrièmement, nous pouvons néanmoins souligner l'accent mis sur l'universalité par ces deux philosophes. Pour Kant, c'est la raison pure qui garantit l'universalité de la connaissance. Et pour Nishida, c'est l'expérience pure qui est commune et universelle à tous les êtres de l'univers. Je vous remercie de votre attention. Maintenant, je voudrais inviter tout le monde pour les questions ou les commentaires pour la professeure Saito. Il y a des spécialistes de Nishida quelque part. J'ai peur de... C'est ma première communication sur Nishida. J'ai appris beaucoup de choses et j'étais très contente d'avoir quand même bien étudié ce texte. C'est fascinant ce texte, mais... Je vous écoute. Oui, qui est-ce? Non, c'est juste parce que je fais aussi un projet postdoctoral aussi à propos de ces premiers textes de Nishida. D'accord. Et je me posais la question si vous aviez une hypothèse par rapport à l'origine en fait de ces concepts d'expérience pure. Bon, là, j'ai vu que vous avez essayé de retracer des liens en fait avec la pureté en fait de chez Kant. Mais est-ce que vous avez, moi j'ai quelques hypothèses historiographiques qui ne sont pas encore très avérées, est-ce que ça peut peut-être venir du champ de traduction? Oui. Est-ce que ça peut être une traduction peut-être de l'allemand en fait, donc l'expérience sans médiation? Oui. Je suis désolée de terminer la question, oui, bien sûr. Ma prononciation de l'allemand elle est très mauvaise. Est-ce que ça peut être une rétraduction donc dans les termes nippons de cette idée de l'expérience qui n'a pas d'obstacle, finalement, qui n'est pas médiatisée? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose? Parce que finalement, s'il y a des racines différentes, enfin, je veux dire, comme il y a un parcours de différentes traditions, est-ce que vous voyez d'autres origines? En fait, c'est dommage que la deuxième personne ne vienne pas aujourd'hui. C'était sur James, donc le personnalisme britannique et le personnalisme allemand. En fait, c'est déjà deux sources bien importantes, surtout le personnalisme britannique. Et sur cette question, il y a quand même pas mal d'études en anglais et en japonais. Par exemple, sur l'éthique de Green, Green Shinri Tetsugaku, par exemple, Yukiyasu Shigeru, c'est un chercheur japonais qui publie ses recherches. Et justement, dans ce texte de Green Shinri, on trouve le mot daikakushiki ou bien uchu yuitsu daiseishin. C'était donc la première page de mon document sur la publication en 1895, Green Shinri Tetsugaku no Tai, donc les grandes lignes de l'éthique de Thomas Hill Green.
Et c'est Nishida qui traduit certains mots en japonais de ces termes, les termes de green en japonais. Et on trouve le mot daikakushiki, c'est tellement intéressant pour moi. Quand même. Pour les Nishidiens, je pense, kaku de jikaku, il est là. Dai, c'est grand. Et shiki de ishiki, par exemple. Et puis, uchu yuitsu daiseishin, donc un grand esprit unique de l'univers, ou bien du cosmos, uchu, ça peut. Et après, donc, c'est une des sources très importantes de Nishida. Et après, il faut voir l'insatisfaction par rapport à Green. Parce que dans ce texte, en fait, Nishida est... En tout cas, moi, je ne vais pas généraliser, mais enfin, il y a cinq sections dans le texte de Grimm, et il commence à lire, et il ne fait le résumé que les deux premiers chapitres, les deux premières sections. Et concernant la troisième section, il écrit dans une lettre, je crois que ça ne m'intéresse pas, cette troisième section, et sur les quatre et cinquième, il n'a rien laissé. Et en fait, dans ces donc, deux premières sections qu'on trouve ces termes quand même clés, enfin, et Ding en dit en allemand, et puis good, c'est en anglais, et puis les autres termes en anglais traduits par Nishida. Et donc, pour cela, il y a aussi des recherches en anglais sur le personnalisme britannique et Nishida. Ça, c'est pas très difficile à trouver, je pense. Et puis d'autres sources plutôt bouddhiques, par exemple, bien sûr qu'il cite combien de textes ? Il cite très peu directement dans ce Zen no Kenkyu. Où est-ce que j'ai mis en fait, par exemple... C'est Joshu Roku en japonais. Et c'était la note de. Il y a une phrase de Jiao. Excusez-moi de la prononciation chinoise. Jiao Tu, comment on prononce ? Joshu Roku. À moins de l'école Zen chinoise. Et il cite la phrase de ce moine, le Tao n'appartient ni au connaissable ni à l'inconnaissable. Ça, c'est la page 152. J'utilise l'édition ancienne, la collection, les œuvres complètes anciennes. La page 152, par exemple. Et puis, en même temps, il faut penser qu'à l'époque, il avait le devoir, enfin, le koan qu'il a reçu. Du moine de l'école Zen, c'était Muji. Donc Muji, c'est sans écriture, sans signe, sans lettre. Muji, dit de signe. Et c'était son koan, enfin, à cette époque. Et dans son journal intime, on trouve quand même qu'il se plaint. Enfin, c'est une période difficile pour lui que... au niveau professionnel, au niveau personnel, familial, qu'il se plaint, qu'il n'arrive pas à se concentrer sur méditation, ou bien, enfin, il y a plein de problèmes, etc. Et donc, voilà, il essaie de quand même, je ne sais pas, enfin, je ne peux pas dire, dans la méditation aussi, je ne peux rien dire quand même, mais le koan, c'était Muji, voilà. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il a tellement une force de... réflexion tout le temps que ses pensées enfin, bouillonnent, il me semble, dans son cerveau. Quand je lis son journal, j'ai cette impression qu'il n'arrive pas à tellement calmer ses pensées. Et c'est la méditation zen que enfin, peut-être il a pu un peu se calmer, peut-être. Enfin, je ne sais pas, ça c'est mon imagination. Mais, c'est-à-dire que mais c'est me dit que voilà il a dû répondre à ce moine. Et puis il y a la question du néo-confucianisme dont la racine peut remonter au taoïsme, c'est-à-dire que
ça c'est au fait comme j'ai vu quand la deuxième personne ne peut pas venir, j'ai au fait pensé à quand même citer une phrase tellement éclairante de ce néo-confucianiste Fujiwara Seika, c'est tout au début de l'époque d'Edo, qui était le maître de Hayashi Razan, qui était le conseiller de la famille Tokugawa, le premier shogun. Et Fujiwara Seika, il a suivi la formation du bouddhisme et après, disons, il s'est converti. Enfin, il s'intéresse plutôt au néo-confucianisme, il critique le bouddhisme. Et oui, c'est ça, il était un moine zen au début. Et après, il étudie et le néo-confucianisme des dynasties des Song, de la dynastie des Song. Et il écrit une phrase... Ten no kokoro wakarete hito no kokoro to naru. Ten no kokoro wakachite hito no kokoro to naru. Et j'ai apporté le texte original que j'ai lu dans cette l'année dernière avec mes étudiants de l'INALCO, cette phrase. Et ça m'a tellement marqué, cette phrase. Pour moi, c'était une découverte quand j'ai trouvé cette phrase. Donc l'âme céleste, bien le cœur céleste, l'esprit, je ne sais pas, le mental céleste, se divise et elle devient un cœur humain, mais individualisé, bien sûr, l'image. Donc, et après la mort de chaque humain, dans cette lignée de pensée, les âmes... revient au ciel ou pas, c'était une grande discussion parce que certains néo-confucianistes n'admettent pas cette idée, alors que les bouddhistes pensent que quand même il y a au-delà de la vie de ce monde-ci. Donc, et puis il cite aussi Atman et Brahman. ça me dépasse vraiment cette richesse des horizons. Voilà. D'autres questions, commentaires? Pardon, merci beaucoup pour votre intervention. J'ai une petite question de traduction encore. Oui. À propos du titre, parce que. Oui, à propos du titre. C'est vous qui traduisez la quête du bien. Oui, j'ai hésité, oui. Parce qu'en général, à mon sens, quête, ça pourrait être une traduction de Tenkyu. Tenkyu, normalement, je l'entendais comme étude, comme recherche. Oui. Alors, je veux savoir si vous donnez un sens particulier à ce mot quête. Oui. Qui, par exemple, dans la tradition occidentale, il y a la quête du Graal dans le Moyen-Âge. Oui. C'est une quête vers quelque chose qui n'est pas à la main, qui n'est pas là, oui. Bien que le bien zen, no kenkyu, en général, on sait que c'était plutôt en étude, une analyse, une sorte de recherche philosophique. Donc, oui, bien sûr, merci beaucoup pour cette question. Exactement, j'ai hésité à choisir quel mot ça serait. En fait, étude du bien, recherche du bien, et quête du bien, en français, ça peut connoter un peu spiritualité quand même, plus que les autres mots. Et après avoir, en fait, lu ces quatre chapitres en suivant l'ordre de son écriture, et comme il le dit à la fin, quand même le niveau, le dernier chapitre, Shukyo, la religion, enfin il utilise le mot Shukyo, la religion, et il définit ce mot, c'est la relation entre un homme et Dieu, enfin il le dit clairement, et c'est vraiment, ça s'inscrit plutôt dans le christianisme, cette manière de dire des choses. Même le mot Kami, c'est le même mot que les autres divinités, etc. Et il, donc, à la fin de mon exposé, j'ai précisé quand même que traiter un homme en tant qu'objet de connaissance, c'est le niveau de la philosophie de la connaissance. Ça reste
sur le niveau de la philosophie de connaissance, alors que traiter un homme en tant que statut humain, personne, c'est le niveau religieux qui enfin, c'est ce niveau-là qu'on peut, on peut considérer un homme en tant que personne, en tant que jinkaku, et en tant que... Enfin, Monsieur Malade vient d'utiliser le mot dignité, mais je sens fort cette nuance de dignité. Quand Nishida utilise le mot jinkaku, c'est grade de l'homme, statut de l'homme. C'est très fort comme en japonais. C'est tellement rare d'utiliser ce mot. Et que ça s'efface au fur et à mesure. À l'époque de Watsuji, par exemple, c'est Ningen qui remplace le mot jinkaku. En fait, il y a le mouvement de Jinkaku Shugi, personnalisme au Japon, vers Ningen Shugi. Et quand Watsuji commence à enseigner à l'université de Tokyo, c'est un des collègues proches de Watsuji qui a laissé cette expression. Et moi, je me dis Jinkaku Shugi avant quand même Watsuji, enfin l'éthique de Watsuji, Jinkaku Shugi a marqué quand même les intellectuels japonais. Et ça connote fort le christianisme. Et Onishi Hajime, par exemple, qui a reçu, qui est devenu chrétien, n'a pas pu obtenir la chaire à l'université de Tokyo, par exemple. Alors qu'Onishi Hajime, qui a publié une histoire de la philosophie occidentale, et dans laquelle il a plus de 100 pages, 150 pages sur Kant, par exemple. Enfin, ça, c'est en passant, ça, c'est entre parenthèses. Donc, je reviens donc, à votre question. Donc, finalement, je me dis, la recherche sur le bien sûr, je ne suis pas contre. Mais si j'essaie de transmettre cette pensée nichidienne de ce dernier chapitre de ce livre, je limite parce qu'au fur et à mesure, ça évolue, que le mot Dieu enfin, n'est pas tellement peut-être répété dans les autres textes. Donc. Mais en ce moment, provisoirement, j'ai choisi la quête du bien en ce moment. Merci beaucoup. Je répète qu'il n'y a pas de traduction intégrale en français. Donc, si quelqu'un peut commencer, je serais ravie quand même. C'est dommage parce qu'en anglais, il y a deux traductions, n'est-ce pas? C'est ça. Je vous remercie beaucoup pour votre présentation. En fait, j'ai une question qui pourrait peut-être paraître un petit peu naïve parce que le chapelot qu'on entend de plus en plus sur Nishida, et je vous en remercie beaucoup. Je souhaiterais vous poser une question par rapport à sa définition du jinkaku qui s'inscrit dans le jinzai, dans le réel. Jitsuzai, oui. Et en fait, vous utilisez le réel est traduit au singulier, et je me demandais si Nishida prenait en compte un réel comme une globalité de perception subjective, donc comme plusieurs réels, c'est-à-dire est-ce que ce réel n'est qu'une forme, qu'un seul fait? Ou alors est-ce qu'il comprend le réel, ce visionnaire, comme ce que les gens ressentent par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à leurs propres expériences? Il peut y avoir un réel ou plusieurs réels selon comment l'individu aborde sa démarche. Oui, c'est tout à fait. Merci beaucoup pour votre question. Oui, c'est une très bonne question parce que le mot jitsuzai est traduit en anglais reality, c'est ça. Et moi, je sens, enfin, en français, réalité, c'est quelque chose de sensible quand même, plutôt que non sensible, réalité. Et jitsu, et d'ailleurs, c'est pas bien d'introduire ce type d'opposition peut-être à l'occidental, mais enfin, mais jitsu, c'est un des mots clés dans le bouddhisme. Et jitsu, c'est le vrai. Enfin, ce qui est authentique, ce qui est vrai. Mais ce n'est
Mais dai, c'est être, mais être, c'est un mot très ambigu en français aussi. Et dizai, quand j'ai compris que beaucoup de traductions traduisent ce terme par reality ou réalité, parce que quand je lis dans ce texte que dizai est assimilé à l'expérience pure, donc le vrai, ce qui est vrai. Alors, on peut même traduire ce qui est vrai, dit Zai, Honto no mono en langue habituelle, Shin no mono, ou bien Honto no mono et mono en hiragana. Comme ça, on laisse un peu abstrait. Alors que dans cette époque de Nishida, il utilise un caractère, mais enfin, ça c'est autre chose. Et donc, Honto no mono, ou bien Honto no koto, événement, enfin, vrai, ce qui est authentique. C'est l'expérience pure qui n'est pas encore individualisée. Et ça, c'est un point difficile à comprendre au début. Moi, j'ai mis des années, enfin, je ne comprenais pas pourquoi comme ça. C'est pas la peine de. Enfin, moi, je vous conseillerais de commencer à lire, selon. Pas le premier chapitre tout de suite. C'était bien à lire selon l'ordre de son écriture, le deuxième chapitre, le troisième chapitre, ensuite le quatrième et à la fin le quatrième. Non, le deuxième, le troisième et le premier, je ne sais quelqu'un qui est très difficile quand même. Mais il a placé, quand il a publié ce chapitre, d'abord le premier parce que c'était là, enfin. Quand il a écrit les deux premiers chapitres, Jitsuzai et Zen, il a atteint à une nouvelle étape. C'était, je ne sais quelqu'un d'expérience pure. Enfin, moi, je lis comme ça. Et après cette étape, il a atteint au niveau religion, enfin, Shukyo, en contraste avec le niveau de connaissance. Et donc, il faut que je vous réponde, donc. Toute question, c'est. En fait, ce qu'il faut tenir compte, c'est l'universel qui est beaucoup plus important que les individus, grosso modo. Enfin, ça, c'est. Parce que c'est l'universel qui fait apparaître les individus. Enfin, donc. Et le réel, le mot le réel, il n'est pas impossible de le traduire de temps en temps par réalité, au sens plat du terme, du mot, parce qu'il utilise, Nishida utilise Shin no Jitsuzai, ou bien Yuiitsu Jitsuzai, donc Jitsuzai unique. Ça veut dire qu'il y a aussi des Jitsuzai multiples, si vous voulez. Mais il ne dit jamais multiples hein, dans son texte. Hein. Mais quand il précise Yuiitsu Jitsuzai, le Jitsuzai unique, ça c'est quand même par rapport à une sorte d'approfondissement de sa pensée. C'est-à-dire que sa conscience pure, c'est plutôt au fond de notre conscience qu'il faut chercher. Ce n'est pas au-delà, ni à l'interne enfermé. Au fond, et ça s'œuvre après, ce fond de l'universalité. Et donc, il n'y a plus de différenciation enfin, des individus, ni sujets, objets de connaissance. Enfin, je vois comme ça. Voilà. Ah, la dernière question. Oui. Est-ce que moi je vois des résonances entre Nishida et au CERN, la phénoménologie française, oui. Est-ce qu'ils se sont connus? Enfin, je ne sais pas, ça dépend des dates. Oui, parce oui. Au CERN, oui. C'est le début du 20e siècle. Oui. Est-ce que Nishida a pu lire des choses de CERN en allemand? Oui, oui, oui. En fait, il n'y a pas encore beaucoup de recherches hein, sur Husserl et Nishida. Il y a quand même un étudiant de Kyoto Daigaku qui avance en ce moment en Allemagne sur cette question. Mais parce que Nishida s'intéresse beaucoup à la mathématique, aux mathématiques, en fait.
Et Madame Tremblay vient de nous donner une communication samedi dernier sur, dans le groupe de philosophie sur les physiques, les nouvelles théories physiques de l'époque, de cette époque. Nishida s'intéressait très fort aux toutes nouvelles théories physiques. Et sur celle, c'est plus tard. Les années, quand Otto Husserl, il a donné une conférence, par exemple, Kant et Husserl, en 1929. Ah, oui. Oui, par exemple, il a donné le cours de l'histoire de philosophie occidentale, il le donnait sur l'idéalisme allemand, et puis, donc, c'était, en fait, je n'ai pas tout noté sur Husserl, mais Husserl était introduit très tôt au Japon. Oui, par un autre chercheur, Takahashi Satomi, par exemple, ou bien même Tanabe, en fait. Je voudrais vraiment creuser cette question, d'ailleurs, Nishida et Husserl. Oui. Et en ce moment, je ne peux pas tellement répondre plus à ta... À ta question, on va voir. Enfin, je compte sur ce étudiant doctorant en Allemagne. Le nom m'échappe, mais c'est M. Fujita qui m'a donné le nom de cet étudiant, qui est doctorant en Allemagne. Donc, voilà. Anna, oui. Merci beaucoup, madame.